Bienvenue tout le monde à l'étude du mercredi. Mais oui, on a changé ça. On s'est dit, on va avoir une petite prêche le dimanche matin, puis dans le milieu de la semaine, on va avoir une bonne étude pour nous remonter l'espoir. Fait que, puis en plus, ça tombe bien. Vraiment, on n'a pas changé l'ordre des études. Puis c'est la provision de Dieu pour la guérison. Fait qu'on vit dans le monde beaucoup de maladies dues au COVID-19. Puis, des maladies qui étaient déjà là puis qui continuent. Fait que ça va nous booster pour pouvoir se battre contre ça. T'sais, pour pouvoir chasser ces choses-là. Fait que, Seigneur, mets ta main sur Stéphane. Mais on va commencer par la louange pour préparer nos cœurs pour recevoir dans une bonne terre les semences que le Seigneur veut implanter dans nos vies pour qu'on puisse porter beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Fait que soyez bénis. Amen. La gloire au plus.
tendu vers toi, papa, oui, vois mes bras tendu vers toi. Thank you.
toi, Seigneur. Aie pitié de nous. On a besoin, Seigneur, que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres nos oreilles et notre esprit. Seigneur, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Tu veux nous faire comprendre. On a besoin de toi. On veut s'abandonner derrière toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Ta présence, on t'écoutait.
présence, tu es digne de recevoir une adoration véritable, un sacrifice de louange, les cœurs unis en ta présence. Nous venons nous prosterner, nous voulons être transformés, car nous désirons t'adorer en esprit et en vérité. Tu mérites des cœurs unis dans la louange pour t'adorer. Tu mérites des enfants qui ont l'oreille tendue vers toi, qui ont le cœur ouvert et l'esprit ouvert pour entendre ta voix pour qu'on puisse accomplir ton dessein. Merci Seigneur. Je te prie de bénir mon mari, de le guider, de le transformer lui ici, qu'il soit béni en même temps que nous quand il va porter ça, Seigneur, cette bonne étude. Puis il fait qu'on soit, que ça finisse, on s'est transformé par toi. C'est au nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen. Je vous présente le beau Stéphane Parent. Amen. Merci Nancy pour ce superbe louange. C'est bon d'être dans les pervers de Dieu. Vous savez, quel prix il a payé pour nous. C'est un cantique que Nancy nous a amené. Et c'est vrai. Et c'est qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Nous sommes rendus à la première leçon d'une série de leçons qui est la provision de la guérison de Dieu. Vous savez, c'est la volonté de Dieu qu'on soit guéri. Et c'est qu'est-ce qu'on va apprendre à travers cette étude-là? C'est la provision de Dieu. Vous savez, Dieu a plein de bénédictions. Et il en a en provision, et surtout la guérison. Parce que c'est le ministère pour lequel il nous appelle, et c'est le ministère pour lequel on va voir aussi à travers cette étude-là. Si vous permettez, on va commencer par la prière. Et par la suite, on va rentrer dans la première leçon. Et le titre de cette leçon, c'est « La perspective de Dieu sur la maladie ». Donc, si vous voulez bien, on va commencer avec la prière. Mon Père éternel, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour toutes les bontés, les bienfaits que tu fais, Seigneur Dieu. Merci pour cette étude, Seigneur. Fais en sorte, Seigneur, que je puisse me laisser guider par ton Saint-Esprit, afin que mes paroles, Seigneur, soient les paroles que toi, tu veux que j'apporte, Seigneur. Fais en sorte, Seigneur, que le monde puisse recevoir ce message, Seigneur, et qu'on puisse le mettre en pratique dans nos vies. Qu'on puisse se rappeler de cette étude. Qu'on puisse se rappeler, Seigneur, que ton désir premier, c'est de nous guérir, Seigneur Dieu. Et c'est qu'est-ce que tu veux faire. Et que tu nous as demandé que de guérir aussi. Tu as envoyé ton Fils, Seigneur, pour le faire, et c'est qu'est-ce qu'on va voir à travers cette étude. Donc, sers-toi de moi, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je te prie. Pour ta gloire. Amen. Donc, nouvelle série d'études, nous sommes rendus sur une autre nouvelle case horaire, donc les mercredis soirs. Pourquoi? Vous savez, les dimanches matins, Peter qui apporte les études, fait que donc on a toujours, pas les études, mais les prêches de Peter les dimanches matins. Et on a tous les matins aussi, Peter amène les deux minutes du PEP. Et j'ai aussi parole d'encouragement à chaque soir. Et je me suis dit, le dimanche, je suis en congé parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai recommencé à travailler. Fait que donc, dans ce temps-ci, je travaille à tous les jours. Et le dimanche, c'est ma journée de congé. Fait que donc, le dimanche matin, j'écoute la prêche de Peter. Et je peux m'enregistrer pour l'étude pour pouvoir vous l'apporter les mercredis. Donc, on va le mettre à la case horaire les mercredis soirs pour que le dimanche, vous puissiez avoir la prêche et que le mercredi, vous puissiez avoir aussi un temps avec Dieu. Et dans ce temps de confinement-là, c'est un temps qu'on peut avoir avec Dieu. Et par les réseaux sociaux, je rends gloire à Dieu de cette technologie-là qu'on peut se rejoindre, vous et moi.
Et on a tellement hâte, moi et mon épouse, de vous serrer dans nos bras et vous dire à quel point qu'on vous aime. Mais j'espère que vous le sentez à travers les réseaux sociaux. Que vous le sentez à travers les paroles qu'on emmène, à travers ce que Peter emmène. Et merci d'être fidèle à chaque dimanche matin, à chaque soir, à chaque matin pour les 2 minutes du pep. Et aussi aux études que j'apporte, que Dieu veut que je vous apporte. Merci pour l'homme aussi qui l'a fait. Et ce soir, l'étude, c'est la perspective de Dieu sur la maladie. Et on va apprendre à travers cette étude-là que Dieu n'envoie pas la maladie. C'est pas Dieu qui veut que le monde soit malade. Bien souvent, les gens vont dire, et j'ai vu une vidéo circuler qui disait, Dieu a envoyé ça pour qu'on puisse prendre un temps avec lui. Dieu n'a pas envoyé la maladie, sauf que Dieu en fait du bon. Fait qu'à travers ça, on peut avoir un temps d'arrêt pour être avec Dieu. Et c'est qu'est-ce qu'on va voir à travers cette étude-là? Parce que la volonté de Dieu, c'est de guérir les gens. Donc, il ne veut pas les envoyer la maladie. Il ne veut pas qu'on soit malade. Il veut nous guérir. Donc, et on va le voir à travers la parole de Dieu. Tout le long, si on regarde la parole de Dieu, on va voir qu'il y a plein de guérisons. Parce que Dieu veut guérir son peuple. Dieu a envoyé son Fils unique afin qu'on puisse être sauvés. Vous savez, dans le Jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, ils ont pris le fruit défendu, ils ont trouvé la mort charnelle. Mais Dieu a renvoyé son Fils pour guérir, nous guérir de cette mort-là, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle comme dans le Jardin. Donc, avoir la vie éternelle, donc cette mort-là n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il nous guérit. Vous savez, Moïse est mort à 120 ans. Et on va le voir aussi que Moïse avait encore sa vigueur. Donc, ce n'est pas la maladie. Oui, la maladie, elle est là, il ne faut pas s'en cacher. Mais ce n'est pas envoyé de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous guérir. Et je vais aller avec vous dans Proverbes 4. Au verset 20 et 22. Je vais vous laisser le temps d'y aller. Ou pour ceux qui ont un cellulaire, d'aller le chercher sur votre cellulaire dans la Bible. Donc, Proverbes 4, verset 20 et 22, et je vais vous le lire. Dans le Proverbes 4, au verset 20 à 22, ça dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. » Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Ici, ça dit, c'est la vie. La parole de Dieu est la vie. Donc, si la parole de Dieu est la vie, n'est-ce pas que la parole de Dieu ne veut pas que la maladie soit là? Non, c'est la vie. Vous savez, dans Exode, ça dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode nous dit, Dieu il parle, il a dit à son peuple, « Car je suis l'Éternel qui te guérit. » C'est dans Exode 15, au verset 26, la deuxième partie du verset. Il parle au peuple. Et Dieu dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Amen. Et c'est qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies? Oui, la maladie, elle est là. Mais il nous a donné un pouvoir. Le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Vous savez, quand Jésus est venu sur terre, il est venu faire ce que le Père lui a dit de faire. Il a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, je suis venu faire celle du Père. Il est venu guérir les cœurs brisés. Il est venu restaurer les âmes perdues. Il dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Cherchez ma face, si mon peuple s'humilie. Je les exaucerai. Je serai avec eux. C'est un Père, un consolateur, un guérisseur que nous avons. Et c'est ça. Et vous savez, encore bien plus aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la maladie que nous avons, Dieu veut nous guérir. Donc, Dieu va faire en sorte de nous guérir, de trouver cette solution-là. Pourquoi? Parce qu'il est un guérisseur. Et vous savez, Peter, un matin, je m'excuse, pour moi, on est dimanche, donc dimanche matin, disait qu'il y avait eu 120 disciples dans un confinement, puis qu'il attendait la puissance du Saint-Esprit. Vous savez,
Le Saint-Esprit est venu. Il est venu en puissance. Il nous a donné cette puissance-là afin qu'on puisse l'utiliser afin de guérir les malades. Il a dit, vous allez imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Vous savez, c'est nous qui retenons la puissance de Dieu. Comment? Par nos doutes. Oui, parce que bien souvent, on va prier et on va dire à Dieu, « Seigneur, si c'est ta volonté qu'il soit guéri, et si je dis « si c'est ta volonté qu'il soit guéri », Dieu nous dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit », n'est-ce pas que c'est sa volonté qu'on soit guéri? Donc, pourquoi dans ma prière, je vais dire, « Si c'est ta volonté qu'elle soit guérie, fais-le », c'est la volonté de Dieu. Donc, je mets un obstacle et je me prends aussi parce que je le fais. Je mets un obstacle quand je dis « si c'est ta volonté qu'elle soit guérie ». J'ai un doute. Et vous savez, quand on demande de quoi à Dieu, il ne faut pas douter. Mais on a cette puissance-là. Mais l'ennemi ne veut pas qu'on puisse utiliser cette puissance-là. Et c'est pour ça qu'il nous fait dire « si c'est ta volonté ». Vous savez, quand Jésus a guéri un lépreux, le fils, il a dit, si tu le veux, je peux être guéri. Et Jésus, il a dit, si je le veux, sois guéri. Parce qu'il le voulait. Il voulait qu'il soit guéri. Et c'est qu'est-ce, pourquoi? Parce qu'il est venu faire ce que son père lui a dit. Amen. Je vais aller avec vous dans Jean. Jean 6, au verset 38. Ça va vous donner le temps aussi d'y aller. Amen. Jean 6, au verset 38. Ça dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle, puis qui dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et vous savez-vous quoi? C'est Dieu qui l'a envoyé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, et la vie éternelle. Donc, ici, ça nous dit que Dieu a envoyé son Fils unique. Et Jésus dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, c'est le Père qui l'a envoyé faire sa volonté. Et tout le long de son ministère, Jésus a guéri les malades, a fait des miracles. Et il allait de ville en ville annoncer la bonne nouvelle. La nouvelle de la guérison, oui, la guérison de notre mort charnelle, la guérison qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et par-dessus tout, il faisait aussi la guérison charnelle. Et il nous a dit aussi, vous allez faire des choses encore plus grandes que moi. Vous savez ce que je fais, vous pouvez le faire, et encore des plus grandes. Donc, on a cette puissance-là, parce que dans Actes, quand il a dit aux 120 de rester en confinement pour recevoir cette puissance-là, une puissance d'en haut qui est le Saint-Esprit. Et vous savez, dans la parole, ça dit aussi que j'ai été oint par le Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui parle, qui dit qu'il a été oint par le Saint-Esprit pour guérir. Amen. Vous savez, il a été oint par le Saint-Esprit pour guérir. Nous avons reçu le Saint-Esprit afin d'avoir ces dons. Vous savez, on a passé à travers l'étude des dons. Et par l'étude des dons, il y avait le don des guérisons. Pourquoi? Parce que nous devons continuer l'œuvre de Dieu. Nous devons continuer ce que Jésus a apporté. Ce que Jésus est venu faire. Continuer d'apporter la bonne nouvelle. Et continuer de guérir les malades. Donc, la maladie ne vient pas de Dieu. C'est pas Dieu qui envoie la maladie. Lui, il veut guérir. L'ennemi va l'envoyer. Vous savez, il y a eu, dans l'Apocalypse, on peut le voir, il y a eu une guerre dans les cieux. Et c'est là que Dieu a envoyé Satan sur la terre avec ses anges.
Et par la suite, il a fait Adam et Ève. Et il a dit, vous allez dominer sur la terre. Donc, on domine sur ces esprits-là. Ça nous appartient. C'est à nous que Dieu l'a donné. Lui, il rôde. C'est un voleur. Il veut nous l'enlever. Il veut nous enlever cette puissance-là que Dieu nous a donnée. Mais savez-vous quoi? Avec Jésus, avec le Saint-Esprit, il nous a toutes redonnées. Vous savez, il nous a redonné les clés du royaume. Les clés du royaume nous appartiennent. Ce qu'on lit, il va les lier. Ce qu'on délie, il va les délier. Fait qu'on délie les gens, puis qu'on lit les maladies, afin qu'on laisse Dieu agir, afin qu'on laisse Dieu se manifester à travers nous, à travers les dons du Saint-Esprit qu'il nous a donnés. On peut, frères et sœurs, avoir, et pas on peut, on l'a, je m'excuse, je viens encore de douter, on l'a, frères et sœurs, on a ces dons-là, on a cette puissance-là, afin d'aller parmi le monde et d'imposer, oui, peut-être là, on ne peut pas les toucher parce qu'il faut garder 2 mètres de distance. Mais vous savez-vous quoi? Avec Dieu, il n'y en a pas de distance. Avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'il faut se rapprocher, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'on peut prier pour ces gens-là. On peut prier dans nos foyers afin qu'on puisse se manifester. Vous savez, si tous les chrétiens sur la terre se réunissent et prient ensemble, waouh, qu'est-ce que ça peut faire? Amen! Et Dieu ne sera pas insensible à ça. Dieu va libérer sa puissance à travers nous, comme Peter a dit ce matin. Pas ce matin, mais dimanche matin, je m'excuse, on est mercredi soir. Et c'est vrai, il y a toute une puissance, l'armée va se lever. Amen! Je m'excuse, je sors de l'étude. Mais l'armée va se lever, l'armée céleste avec nous, l'armée charnelle. Waouh! L'armée spirituelle avec nous, c'est quelque chose. Et nous l'avons. Fait que donc, qu'on continue de guérir les malades. Amen! Vous savez, dans Matthieu 9, au verset 35, c'est là que ça dit que Jésus marchait de village en village afin de guérir. Matthieu 9, au verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen! Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité, de village en village. Il était venu pour ça, annonçant la bonne nouvelle et en guérissant les malades. Donc Dieu a envoyé son fils faire ça. Donc, est-ce que vous pensez que Dieu va envoyer la maladie? Non! Dieu va envoyer son fils pour guérir, nous envoie nous pour imposer les mains aux malades afin qu'ils puissent être guéris. Afin que les aveugles voient, afin que les sourds entendent, afin que plus rien, qu'on puisse être comme Moïse, qu'on puisse quitter notre corps au dernier instant, puis qu'on puisse avoir une pleine vigueur. Et on va le voir. Il se dit, si vous allez voir l'histoire au complet de Moïse, vous allez voir que il a été encore, il montait sur les montagnes à son âge, à 120 ans. Il montait encore voir Dieu sur la montagne. Hey, vous savez, s'il montait encore sur la montagne, c'est parce qu'il est en pleine santé. Amen. Et c'est qu'est-ce que Dieu veut avoir aussi pour son peuple? Dans Marc 16, au verset 20. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ici, ça dit que Jésus était avec ses apôtres, avec ses disciples, et eux aussi, ils allaient, ils prêchaient partout, puis le Seigneur travaillait avec eux par la parole, par les miracles. Eux aussi faisaient ces miracles-là.
Et nous aussi, on a cette puissance-là pour le faire. Et c'est qu'est-ce que je veux de tout mon cœur, qu'on puisse le mettre en pratique jour et nuit. C'est-à-dire que quand il y en a qui dorment, il y en a d'autres qui sont réveillés. Vous savez, des fois, quand il est midi ici, il est minuit ailleurs. On parle des chrétiens à travers le monde. Fait que si on dit qu'on prie jour et nuit, c'est-à-dire que même si on dort, c'est qu'il y en a d'autres qui ont pris la relève. Parce que de l'autre côté de l'océan, c'est pas les mêmes heures. Fait que quand on dort, eux, ils prient. Quand eux, ils dorment, nous, on prie. Afin que ces prières-là puissent être en tout temps, 24 heures sur 24, adressées à Dieu. Et qu'on puisse voir la gloire de Dieu à travers ça. Parce qu'on va voir les guérisons. Amen! Est-ce que Jésus a souffert en vain? Vous savez, non, il a dit « Nous sommes guéris par ses meurtrissures ». Vous savez, quand Jésus est à la croix, il a eu un châtiment, il a été crucifié, mais pas en vain. Il a été crucifié pour qu'on puisse être guéri par ses meurtrissures, qu'on puisse avoir, comme je disais, la vie éternelle. Que nous qui étions morts, qu'on puisse revivre. Nous étions morts avec le péché, qu'on puisse renaître avec la vérité et avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est ça notre Dieu. C'est qu'est-ce qu'il nous donne. Vous savez, c'est une provision. On va parler à travers cette étude-là. La provision de Dieu pour la guérison. Fait qu'on va le voir à travers chacun de nos gestes. Que Dieu veut donner, donner, donner en abondance. Vous savez, il est comme un fleuve d'eau vive. Il est comme un fleuve inépuisable, une source inépuisable. Pour une source inépuisable, ça veut dire que ça coule tout le temps. Mais Dieu, c'est la même chose par son Saint-Esprit. Il n'est pas fatigable. Amen, gloire à Dieu. C'est que lui, il est là, il veut juste qu'on lui demande puis qu'il va nous donner. Il va nous donner afin qu'on puisse sauver des vies, nous autres aussi. Pas que nous, on sauve des vies, mais que lui, il sauve des vies à travers nous. Amen. Oh, merci Seigneur. Et c'est qu'est-ce que je veux qu'on retienne ce soir de cette étude-là? C'est qu'on puisse laisser Dieu agir à travers nous, afin qu'on puisse le faire manifester. C'est notre mission, vous savez, c'est une grande mission qu'on a, qu'on doit imposer dans Marc 16, versets 15 et 18. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Amen. Il nous a dit, « Allez prêcher la bonne nouvelle. » La bonne nouvelle qu'on a cette puissance-là. La bonne nouvelle qu'on a été ressuscité par lui. Que nous avons la vie éternelle. Que nous avons ce pouvoir-là. Les dons de guérison. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on y aille parmi le monde, à travers les nations, à travers les générations. Pourquoi? Parce que Dieu bénit de génération en génération. Et c'est... Ah, amen. Merci Seigneur. Parce que tu bénis moi, tu vas bénir ma fille, tu vas bénir mes petits-enfants. Et c'est une promesse que Dieu nous a dit. Et vous savez, Dieu n'est pas menteur. Dieu est déjà à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'on est debout et qu'on prie. Si nous, on est à l'œuvre, encore à plus forte raison que lui aussi, il est à l'œuvre. Parce qu'il nous écoute. Il entend nos prières. Il entend nos supplications. Il va agir. Gloire à toi, Seigneur. Merci de faire en sorte que tu agis. Vous savez, c'est l'ennemi qui envoie la maladie. Ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est comme un lion qui rôde. Un voleur qui veut enlever, qui veut dérober ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné l'autorité de dominer sur cette terre. Lui, il ne veut pas. C'est qu'est-ce qu'il ne veut pas? Donc, je reviens à quand on prie, qu'on ne dit pas si c'est ta volonté, parce qu'on met un doute, mais qu'on dit, Seigneur, que cette personne, qu'elle soit guérie, qu'on lie
cette maladie-là, qu'on la lit, puis qu'on la jette dans les ténèbres. Parce qu'elle n'a pas de place dans ce corps-là, parce que ce corps-là est le temple de Dieu. Et dans le temple de Dieu, il n'y a pas de place pour cette maladie-là. Amen. Qu'on retienne ça ce soir, frères et sœurs. Qu'ensemble, on peut tout. Que Dieu vous bénisse. Et on va terminer avec la prière. Merci Seigneur pour l'étude que tu nous as donnée, Seigneur Dieu. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour les frères et sœurs que tu nous as donnés. Merci pour la guérison, Seigneur Dieu, que tu nous donnes. Merci pour cette puissance-là, Seigneur. Je te remercie pour tout, Seigneur Dieu. Et je te demande toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus, pour ta gloire. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.